Attends, je vais déclencher la souris. Bon, vous allez participer avec nous. Vous allez participer. Oui, bonjour. Donc voilà, je suis Faubourg Saint-Honoré. Donc, ce que j'aurais voulu, c'est... j'ai fait maire de Paris. Souris 7 mètres, mairesse de Paris. Mais comme dans un an, il va y avoir les élections présidentielles, et peut-être qu'il va y avoir une place à prendre à l'Élysée. Donc on est Faubourg Saint-Honoré. Tout le monde connaît Faubourg Saint-Honoré. Donc voilà, le château. Donc, je voulais dire, nous chez les Gilets jaunes, il y a eu Pasco, Boulot, Branco, Philippot maintenant un peu, là on parle beaucoup de Philippot. Donc Pasco, Boulot, Branco, Philippot. Mais qu'est-ce qu'il y a après là? Est-ce qu'il y en a qui savent? Laroum, dites-nous. Après Philippot, Branco. Il y a Pasco. Pasco, Boulot, Branco, Philippot. Et après il y a qui? Il veut. Pipo. Redis. Pipo. Taco. Moi c'est la vie taco. Eh ben il y aura Sourisseau. Votez pour moi, vous m'avez compris, je vous ai compris, on va y arriver, on va gagner, moi je vous le dis. Donc, votez pour Sourisseau, après Pasco, Boulot, Branco, Philippot, votez Sourisseau. En fait, pourquoi voter Sourisseau? Parce que Sourisseau, il est pour le RIC, et on n'en parle plus beaucoup du RIC. Hein? Il faut le RIC, pour tout le monde, voilà ce que je veux moi. Donc... Continue. On vote pour le RIC. Ah, je me suis gratté le nez, Léon. Ça fait sauter l'image. Enfin, voilà. Je dois trop prendre de la schnouf. En fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'il veut. C'est mon mamas pourri, là. J'ai un mamas pourri aujourd'hui. J'ai oublié le mien. Le super, là, que je mets tout le temps. Celui-là, c'est de la merde. C'est pas grave. Il me gratouille le nez. Bon. Enfin, voilà. Donc, je voulais dire... Votez Sourisseau, Faubourg Saint-Honoré pour 2022 et on aura le RIC. Voilà, parce qu'on n'en parle pas et ils vont en parler. Et je voulais passer aussi un bonjour à un gilet jaune qu'on ne voit plus, on n'a pas de nouvelles. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui le connaissent. C'était le monsieur qui était sur sa roue, vous savez, électrique. Il avait un blouson jaune avec marqué RIC. Et bien depuis 3 ou 4 mois, on ne le voit plus alors qu'il était là tout le temps. Tu te souviens de son prénom, Rémi? Si, il avait qu'un truc avec une roue électrique, tu te rappelles? Tu sais, et tu l'interviewais avec un truc à une roue. C'est pas mon moment? Non, un truc à une roue, tu sais, électrique. Il était tout le temps dans les... Il se tenait comme ça sur une roue. Ah! Et tu l'avais interviewé. Ouais. Eh ben, on le voit plus. C'est comme Mao. Donc, vous voyez, on est gilets jaunes, les anciens, il est à la retraite. J'espère qu'il est en bonne santé, qu'il nous regarde. Mais j'espère que c'est pas parce qu'il avait marqué le RIC, on le voyait tout le temps avec son blouson, plein de photos, vous le voyez, RIC, R-I-C, et on le voit plus. Donc c'est pas, j'espère qu'il lui a rien arrivé, j'espère qu'il est en bonne santé, et parce que des fois, bah, on est dans une manif gilet jaune tout le temps, c'est un déter. Et vous voyez, bah, on le voit plus. Il y en a plein qui doivent s'en souvenir. Voilà, donc eh ben, merci pour tous, et votez Sourisseau pour le RIC. Voilà, moi ce que j'avais à dire. Merci. Allez, merci. Bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Ciao. Voilà. On a fait. Regardez. Rouge comme quoi? Comme le boutin. Rouge comme quoi? Comme le diable. Et qu'est-ce que c'est? Film. Gucci. Bon, Ponant, attends. Polar Expedition. Ponant. Et m'a eu, les gars. Tout neuf. Il est chaud, hein. Vas-y, je touche. Ah ouais, c'est doux. Ah oui. Hey. Entre 15 et 30 000 le morceau. C'est un collector, celui-là. Il doit coûter cher, en plus, ah bah tout oui. Neuf. Ouais. Ah oui. Celui qui l'a eu... Arrête de se faire des jaloux. Celui qui l'a eu, il est parti en croisière. Il est mort. Sauf que bah, il est mort et que la famille elle a récupéré juste la baraque. Et que tout ce qu'il y avait dedans, ils ont balancé ça chez eux. Alors n'oubliez pas, consommer comme moi. Ouais. Devant... Filme. Ouais. Consommer comme moi, consommer Emmaüs. Et qui s'habille en Prada? Et moi, je vais être triste, vous savez pourquoi? Ouais. Parce que si jamais au mois de février, moi, c'est mon oxygène d'aller chez Emmaüs. Ouais. Moi, je me sens bien là-bas. Il y a des bénévoles, il y a des compagnons qui sont payés. On les loge.
Et avec l'argent, et ben après, ça peut faire des appartements pour les gens à la rue. L'abbé Pierre.